Bonjour tout le monde, bienvenue pour vos messages de la journée d'aujourd'hui, 28 décembre. Alors, j'espère que vous vous remettez un peu de vos festivités, hein? J'espère que vous vous reposez un petit peu. Alors, je vous laisse choisir le paquet qui vous interpelle et je vais faire la lecture de votre carte pour votre message quotidien. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, nous avons la carte du 10 de coupe. Hein? C'est tellement une belle carte. Peu importe le jeu qu'on utilise, cette carte est toujours inspirante, elle est toujours belle. On voit l'abondance, la joie, le bonheur, la stabilité. Hein? Alors, je vous dirais peut-être ce sur quoi vous pouvez méditer. Bien, mes chers amis, si vous sentez que vous avez tout pour être heureux, si vous avez le bonheur, le confort, la stabilité, les amitiés qui sont bonnes, tout ce que vous avez dans votre vie, bien, travaillez fort, continuez à travailler fort pour conserver ce que vous avez. Hein? Ne vous asseyez pas sur vos lauriers parce que justement tout va bien. Alors, si ça va bien, il faut continuer d'entretenir ce que vous avez, hein. C'est comme un jardin que vous avez, si vous en prenez soin et que vous le trouvez beau, mais pour qu'il continue à être beau, vous devez l'entretenir. Donc, c'est la même chose dans votre vie. Ce que vous avez de beau, de bon, bien, profitez-en, mais entretenez-le également, d'accord? Ne prenez rien pour acquis. D'accord? Donc, c'est le message du 10 de coupe aujourd'hui pour vous. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit du 9 de coupe. Ça également, c'est une très belle carte. Alors, le 9 de coupe, en fait, vous invite à vous gâter. Hein? Vous le méritez. Vous travaillez fort. Tout ce que vous avez acquis dans votre vie, c'est vous qui avez travaillé fort pour arriver là. Vous aimez partager vos acquis, vous aimez partager des bons moments entre amis, en famille. Alors, vous méritez vous aussi de vous gâter, hein, puisque vous avez travaillé fort pour arriver où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Donc, profitez de tous les moments que vous pouvez avoir avec vos amis, votre famille, hein, jouir des plaisirs de la vie. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le dernier paquet, on a la carte de l'hiérophante ou le pape. Alors, je vous dirais peut-être, mes chers amis, comme on est dans le temps des festivités de Noël et de la nouvelle année qui s'en vient, mais peut-être de méditer sur vos valeurs, méditer sur vos traditions. Hein? Quelles traditions sont bonnes pour vous? Est-ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes tout petit, tout jeune? Alors, si vos traditions sont bonnes et les valeurs également, bien parfait, continuez de les vivre et continuez de les partager avec les autres dans votre famille, vos enfants. Inculquez-leur ces valeurs-là si elles sont bonnes. Si vous pensez, par exemple, qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles sont moins bonnes pour vous, bien créez-en des nouvelles. Créez-en des nouvelles traditions, des nouvelles valeurs que vous allez pouvoir être fiers d'inculquer à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc, voilà, c'était le message que l'hiérophante avait à vous dire aujourd'hui. Donc, protégez vos valeurs ou créez-en de nouvelles si vous en sentez le besoin. Donc, voilà, mes chers amis, c'était vos messages pour la journée d'aujourd'hui, 28 décembre. J'espère que ça vous a éclairé et j'espère que vous allez prendre le temps de méditer sur ces messages. Donc, je vous souhaite une excellente journée, mes chers amis, et on se retrouve demain pour les messages quotidiens, comme à l'habitude. Merci, au revoir.